Le numéro hors série de secteur privé et développement de Proparco met en lumière la résilience de l'entrepreneuriat africain au travers de la crise Covid, et c'est à juste titre parce que ce secteur privé africain a démontré une capacité à traverser non seulement la crise macroéconomique, mais les problèmes de sécurité qui ont affecté le continent en 2021 et en 2020 d'une manière qui est très impressionnante. En fait, l'appétit d'entreprendre des Africains demeure extrêmement fort. C'est vrai de la jeunesse, mais c'est vrai aussi d'un entrepreneuriat plus qualifié et plus senior. Et c'est vrai aussi du tissu des PME qui a été affaibli dans sa trésorerie, ses structures financières, par les événements que nous venons de vivre, mais qui aujourd'hui reprend avec dynamisme, s'attaque à une étape supplémentaire et essaie de prendre en compte les transformations du paysage international, que s'agisse à travers de la digitalisation, mais aussi de l'évolution des marchés internationaux, pour franchir une nouvelle étape de construction avec un dynamisme qui impressionne. Il est essentiel d'accompagner l'entrepreneuriat formel parce que les entreprises formelles génèrent des bénéfices significatifs pour toutes leurs parties prenantes, les salariés, l'État, les actionnaires, le système financier. Mais ces entreprises formelles aujourd'hui doivent être accompagnées d'abord et avant tout sur le plan de l'apport en fonds propres. Le secteur formel des entreprises africaines a des capitaux modestes, l'épargne est limitée en Afrique, et cette épargne n'est pas simplement importante pour investir en direct, mais elle est aussi pour lever de la dette, et le secteur bancaire a besoin donc de ces apports en capitaux. Mais c'est aussi important d'apporter à ce système de la compétence, des appuis en la construction des capacités pour un entrepreneuriat qui est jeune et qui peut encore faire des progrès dans ses compétences fondamentales. Il est nécessaire d'aider le système de financement des PME et des startups en Afrique à passer à l'échelle parce qu'il y a eu déjà beaucoup de pilotes. Il y a beaucoup d'expériences qui fonctionnent, dont on peut constater les résultats. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de les démultiplier et d'augmenter la taille de chacun. Et ceci peut être fait notamment grâce aux apports des acteurs publics qui peuvent construire des mécanismes de rehaussement de rendement qui vont permettre d'attirer des investisseurs privés plus classiques, mais aussi en étant eux-mêmes investisseurs en direct ou dans les véhicules d'investissement qui soutiennent ces PME et ces startups à l'échelle du continent.